Hey, salut à toutes et à toutes les copains, j'espère que vous avez la forme, que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui les copains, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas filmé, donc je me suis permis de retourner plein de vidéos réactions et faire des bonnes compiles tous ensemble. Vous allez bien rigoler. Aujourd'hui les copains, à l'honneur, les joueurs qui ont eu du coup des gros coups de génie sur le jeu. Donc ces joueurs là, on peut dire qu'ils ont tenté des trucs, ils les ont vachement bien réussi. Ils se sont pas ratés et ça donne lieu à des mouvements et des clips de malade. J'espère que vous êtes chauds. Juste avant de commencer, pensez à l'abonnement hein, les copains. Pratiquez l'abonnement sur la chaîne YouTube. Vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui devraient tomber sur cette vidéo sans être abonnés, pensez à mettre aussi pour les copains fidèles le petit pouce bleu sur la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. On va essayer de faire 300 likes sur celle-ci. Code créateur affiché dans la boutique pour qu'on puisse faire des cadeaux aux copains abonnés sur la chaîne YouTube. Donc pensez à tous mettre votre compte Epic Games dans les commentaires, bien sûr mettez un commentaire en rapport avec la vidéo. Tous mes réseaux sociaux c'est affiché partout les copains, si vous venir me parler, vous tenir au courant de ce qui se passe sur le jeu. Mon Twitch aussi, il y aura des streams bientôt du soir là, si vous voulez suivre votre tonto Tacos en live le soir, ça se passera très bientôt sur Twitch. Je compte sur vous pour aller me follow là-bas, il y a tout en description. On est d'accord qu'on s'en bat les couilles de l'instant pub. Nous ce qu'on veut c'est les clips. Nous on veut voir des dingueries aujourd'hui sur la chaîne. Vous êtes au bon endroit, c'est parti. Ah ouais, oh ça commence God. Bien les gars. Ça commence bien, y'a un pote qui lui dit tirer au hasard dans le canal d'eau là. À côté de Slumpy, il a tiré dedans, il y a eu le mec direct. Et là faut enchaîner sur beaucoup de clips rapidement hein. Ok, on a sur un mec qui se boxe, qui met plein de pièges. Et il met le petit piège alors qu'il campait de base. Ok, il est avec la canne à pêche, il va le choper. Oh non, ça commence. Attends, I got him. Ah il l'a eu. I got him. Oh my. On peut dire qu'il a pêché un gros poisson là. Il est tombé sur un sacré morceau. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire les petites greux? Allez, c'est une multi-kill, j'en suis sûr, allez. Bah oui, bah même pas, juste un kill. Oui, je pensais qu'il allait faire plus impressionnant, tu vois. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce mangeur de tacos professionnel là? Ouh, il a fait un petit rebond avec la grenade, ça l'a eu. Il s'est passé quoi là? Quoi? En planant avec son parapluie, il a pété un sol sans faire exprès. Il a mis un coup de tête à la construction, ça a fait tomber un joueur. Alors lui il a bien trollé, il lui a fait croire qu'il était derrière son mur en le modifiant. Du coup le mec il s'est focus sur le mur et du coup il en a profité pour le tuer par derrière. Putain, fallait y penser à ça. Pas con franchement. Alors et lui? Ah, est-ce qu'il va rentrer sa balle? Oh, il a fait un rebond dans les constructions dans la zone. Putain quel génie. Quand il va tomber il va l'avoir. Oh putain il a eu au vol. Je le sentais arriver. Je sentais qu'il allait attraper au vol comme ça. Avec son overlay qui dab lui. Il est concentré. Ah le mec il a pas vu. Une tête gratuite. C'est pas mon sérieux en tout cas des mecs qui branlent pas, qui branlent que dalle et qui se laissent tuer. Ah ouais, putain, ils mettent des balles chaudes aujourd'hui là. Ils sont motivés sur les balles de sniper aujourd'hui dans la compile. Ils vont. Ah ouais, carrément. Mec, il va plus. Ils ont envoyé combien de grenades sur les mecs là? Ils ont envoyé au moins 10 grenades. Ils ont tué toute l'équipe d'un coup. Attends, par contre, s'il y a une pub, je l'avais pas vu les gars. J'ai fait de la pub gratuitement à une marque. J'espère qu'ils vont me payer, même si j'en doute fortement. Ah, lui il engage ou lance roquette, y'a pas le temps. Ah, lui le copain, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? Il modifie. Il va se laisser le mec se suicider avec sa grenade. Ah non, il est avec son piège. Ok, il y a un mec au-dessus. Oh putain, il est malin. Il s'est servi d'un mur pour passer en dessous de la maison et le trappe l'ennemi qui est en dessous. Mais mec, à quel moment ton réflexe c'est de penser à faire ça? Mais vraiment, oh les mecs. Je sais pas, moi, y'a un mec en dessous, bah je campe pour qu'il sorte, tu vois. J'attends qu'il sorte comme un con. Non, lui, le mec il trouve des strats, mais faut vraiment y penser sur le coin. Il faut vraiment être très rapide en réaction pour penser à faire des choses comme ça. Des clips comme ça, moi je trouve ça trop impressionnant. Oh ouais, ok, d'accord. Bah le mec il monte dans son bateau, il réagit même pas. Il était pas bien réveillé lui. C'était un lendemain soirée pour lui à mon avis. Oula. Il a même pas vu tout de suite. Il est en train de courir quand il avait un ennemi sur le colis. Il a posé sa manette, il s'est dit bon vas-y c'est bon. Je laisse tomber. Oh il a esquivé tous les grenades. Et il a réussi à tuer le mec comme dans la maison. Qu'est-ce qu'il vient de sortir comme dinguerie lui? Ah mais t'es sérieux? Je me tape des buts même sur ses. Il faut vraiment que je pense à mes adblocks les copains. Et qu'est-ce qu'il va mettre lui? Oh, du coup on a même pas vu ce qu'il a fait. Ah il va le faire tomber dans un trou avec un piège pari. Bah du coup lui c'est juste un gros campeur en fait. C'est tout. Ah j'ai craché une de ses potions sur mon écran, il est dégueulasse. Et lui d'accord ok. Un petit rebond la grenade, il va l'avoir aussi. Oh ouais, bien vu. Franchement bien vu. Ok là il tombe sur un petit Bambi. Il va le prendre sur son dos, il va faire quoi? Il va le mettre dans la poubelle. Ah non il va servir du mec comme un appât. Son pote comme ça venir réanimer. Comme ça il ressort de la poubelle. Oh mais non. Mais à quel moment les mecs ils se sont pas concertés? Pourquoi est-ce qu'il a pas dit qu'il était caché dans la poubelle? Il lui a rien dit. Putain je sais pas aussi. Moi j'aimerais bien tomber sur des bambis comme ça des fois. Wow il a fait quoi lui? J'ai pas suivi du coup. Ok lui il se fait. Il s'est enchaîné.
Oh, installe la balle culonne. C'est le roof. Il y a aucun mec sur le toit, il va faire un petit rebond. Oh my god! Pourquoi il s'est envolé? Ah, il s'est fait rocket ride, ok. Enfin, je crois que c'est ça. Ok, un kill, le deuxième, allez. Même pas? Bah, il y avait rien en fait, c'était pas impressionnant ce clip là. Ok, lui il le prend sur son dos. Il fait quoi, les spawnen? Il le fait prendre l'air en fait. Ok, ouais, il a capté l'ennemi. Mais pourquoi est-ce qu'il court comme ça comme un teubé pour le réanimer? Ah, c'est parce que c'est des bots à mon avis. Je pense qu'à mon avis, les bots ils sont pas. Comment dire, les bots quand c'est comme ça, ils voient un ennemi KO, enfin un allié KO, ils vont directement courir dessus pour le réanimer. Je pense que c'est ça. Comme les bots ils sont un petit peu cons, du coup ça leur fait des kills gratuits. Matei, Mato. Non. Oh, il m'a crevé les tapes en lui. Ah, du coup contre les bots ça doit bien marcher, se cacher et tout. Je suppose. Il fait quoi? Et ça fait vraiment gagner masse de vie les poissons en vrai. C'est bien les poissons. Ça pourrait être marrant d'essayer de faire un top 1 comme ça juste avec des poissons. C'est vrai, ça donne tellement de vie. En gros, tu peux battre la zone. Bah, tu peux survivre plus longtemps que la zone. Ah ouais. C'est un truc à essayer en vrai, les gars. Ah, qu'est-ce qu'il va faire lui, le copain, avec son trou noir dans son dos là? Il va faire tomber un Bambi, c'est ça? Ah non, il a. Oh, il a paniqué. Il a vu les constructions tomber en bas, il s'est dit vas-y, autant je meurs moi-même. Par fierté, il s'est jeté dans le vide. Il fait quoi? What? C'est tout dans le vide. J'ai pas compris là. Ok, il va faire tomber aussi des gens. Ok, il a fait tomber tous les mecs. Oh, lui il va nous sortir une dinguerie avec ses grenades. Un kill. Deux kills. Ok, il s'est fait une double. Alors lui avec le copain avec sa grenade. Eh, il y a beaucoup de clips à la grenade de sniper dans cette conclusion. Oh my god. Hop. Et juste un petit truc comme ça les copains sur la vidéo. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait se rocket ride? Enfin, se grenade ride avec les grenades. Si un mec au-dessus de vous et que vous lui balancez une grenade, le mec peut rester sur la grenade. Et je sais pas si vous le saviez, je l'ai appris il y a pas longtemps dans une compil justement en regardant une vidéo. Je le savais pas. Ah d'accord. Il s'est scratché comme un caca. Il va détruire la construction, il va manger la roquette. Je sentais qu'il allait réussir à la rentrée. Alors ensuite. Il essaie de mettre un piège peut-être. Même pas. Wow, il s'est passé quoi là? Il s'est servi du zipline pour détruire toutes les constructions. Et il a fait tomber au sol. Il fallait. C'était tellement con. Fallait y penser aussi, en vrai. Ah, il est en train de le prank. Il se transforme en objet. Le mec qui va arriver va pas le voir. Il cherche après. Non, il est pas repéré pour l'instant. Oh putain, il a collé, hein. Pourtant, il a collé, mais il l'a pas vu. Mec, j'ai vu tellement de clips dans cette poubelle là. Il était paumé. Il avait entendu un bruit, hein, mais. Mira, Willy, mira esto, mira jugada. Y'a un rompueso. Toma! Comment il a crié? Il m'a réveillé. Ok. Et mec, comment il y a clip à la grenade? Il faut tous que ça. Ouah, attends, il a tué combien? 1, 2, 3, 4. Il a tué 4 mecs en une grenade. Putain. Je sais pas combien vous ça vous arrivait de faire au maximum de kills avec une seule grenade. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire deux. Une fois. Mais j'ai jamais fait plus. Ok, ils vont faire tomber un Bambi encore. Allez, il va se scratcher au sol. Et voilà, top 1. Ok, les clips suivants. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme petite dinguerie lui? Il va faire un rebond avec son lance-grenade. Oh, putain mec. Et il faut y penser à faire des trucs comme ça. Sur le coup, dans le fait de l'action, tu y penses pas, mais ces gens-là, ils y pensent. C'est ça qui est impressionnant. Ah, Phase Mew, c'est mon préféré, c'est mon joueur préféré lui. Il fait des trickshots de malade les gars, c'est le meilleur joueur pour moi. Il tape des trickshots à chaque fois, mais des trucs incroyables. Oh là là, vas-y. J'en ai marre, il me dégoûte quand je vois ses clips. Let's go! Mais... Non mais juste, qu'est-ce que tu veux rajouter? Tu peux rien dire, c'est impossible. Mais toujours des dingueries comme ça. Mais mec, c'est tellement abusé de faire des top 1 comme ça avec les poissons. T'as juste qu'à pêcher un max de poissons, t'attends la fin de la zone et tu bouges.
La vie de rêve quoi. Ah merde, je crois que mon fond vert est tombé. Bah, je suis même sûr qu'il est tombé en fait. Grosse dédicace à tous les copains des lives qui voient mon fond vert tomber tous les jours. Bon voilà, si bien n'importe comment, on arrive déjà à la fin de cette compilation les copains. Et on se quitte sur cette petite outro avec un fond vert défoncé parce que j'ai roulé dessus avec ma chaise. J'espère que cette petite compilation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les petits nouveaux si c'est pas encore le cas. À mettre votre petit pouce bleu. On se regarde très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. C'était Raifit, c'était votre tonton Tacos. Ciao ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul, these pills leave you empty and